C'est parti. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Donc, c'est bien l'immobilier, mais il y a d'autres moyens d'investir son argent et de manière aussi pérenne. Donc, pour aujourd'hui, je fais intervenir Quentin Riviera, qui est un expert dans le domaine. Est-ce que tu peux te présenter, Quentin, s'il te plaît? Oh, bien sûr, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre communauté. Donc, comme Thibault l'a dit, je m'appelle Quentin Riviera. Donc, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans les crypto-monnaies. J'aime pas trop le mot liberté financière parce que tout dépend les objectifs de chacun, mais on va dire que j'ai pu quitter mon emploi en décembre 2020 de chef de projet dans une banque d'affaires parce que j'avais à peu près, moi, ce que j'aime bien dire, un an et demi de salaire devant moi, donc je pouvais me consacrer pleinement à mon activité. Et je sentais que plus en plus de monde me posait de questions et qu'il y avait forcément une certaine demande d'apprentissage des crypto-monnaies. Donc j'ai décidé de lancer mon activité de crypto-coach en février 2021. Et maintenant, on est en août 2021. J'ai accompagné une centaine de personnes, principalement sur Instagram, pour investir, eux aussi profiter des gains du marché des crypto-monnaies. Voilà, concrètement, la méthodologie que je prône, moi, c'est vraiment la méthodologie ADD. Donc, analyse, décision, discipline, c'est vraiment tout un travail. Je ne suis pas trop pour tout ce qui est suivre des signaux, des choses comme ça. Mon but, c'est vraiment de pousser les gens à devenir autonomes et d'être pleinement en charge de leurs finances et de leur capital, comment ils souhaitent l'investir dans le marché des crypto-monnaies. Voilà un petit peu qui je suis et ma vision par rapport à cet investissement-là. C'est très clair. Donc pour commencer, moi j'aimerais bien savoir comment fonctionne la blockchain, la crypto, parce que c'est quelque chose de nouveau et déjà il faut connaître les bases avant de pouvoir se lancer. Ouais, clairement, je suis 100% d'accord avec toi. Donc, les crypto-monnaies, en fait, moi, je préfère mieux appeler ça de crypto-actifs parce qu'en fait, justement, crypto-monnaie, du coup, c'est réducteur et on pense vraiment que c'est que des monnaies. Mais en fait, en disant crypto-actifs, il faut comprendre que c'est justement, c'est comme si c'était une action d'entreprise et sauf qu'on peut l'utiliser et la dépenser dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut le voir, c'est que derrière chaque crypto-monnaie se cache un projet. Lorsque tu investis dans une crypto-monnaie, c'est que tu investis dans le projet de cette crypto-monnaie-là. Et pour aller un peu plus dans le détail, vraiment ce qui me tient à cœur, et c'est vraiment la technologie blockchain, car toutes les crypto-monnaies reposent sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Et il faut vraiment voir cette technologie blockchain. Après, je pense qu'on va rentrer plus dans le détail, mais en phrase d'introduction, il faut vraiment voir ça comme la mise à jour d'Internet. C'est vraiment un tout autre paradigme que ce qu'il y a sur Internet. En fait, actuellement, on a cette mise à jour d'Internet qui est la technologie blockchain. Donc pour toi, la blockchain, ça va, c'est pas que ça va remplacer, ça va être un complément d'Internet, ça va avoir la même portée et ça va être utilisé à un moment donné par le même nombre d'utilisateurs. Bah, moi, je veux pas trop faire peur, donc je vais pas parler des scénarios que je fantasme personnellement dans ma chambre quand j'ai envie de me faire kiffer. Mais on va dire que moi, je pense quand même que c'est une technologie disruptive. Donc, bien sûr, dans un premier temps, ça va cohabiter. Mais pour moi, ce qui est, comment dire, une personne disait dans une conférence, il dit que pour lui, la technologie blockchain, c'est comme ouvrir la boîte de Pandore. En fait, ça redistribue les cartes de notre monde dans tellement de domaines. Et dans la technologie blockchain, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a le concept de décentralisation. C'est-à-dire que ça appartient à personne. C'est-à-dire toi, tu crées un projet, tu le mets de façon décentralisée et ça n'appartient à personne, ça ne t'appartient pas. Ça appartient, il est sur le réseau et tout le monde peut l'utiliser à sa guise. Et il n'y a personne, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun service étatique ou quoi que ce soit qui peut venir et éteindre le bouton ou mettre en prison et que ça arrête de fonctionner. Donc c'est vraiment, j'aime bien cette illustration, je la reprends souvent, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte dans notre monde et puis bah voilà, utilisez la technologie et faites-en ce que vous voulez, quoi. Actuellement, il y a combien de personnes environ qui ont ouvert la boîte de Pandore? Franchement, pour donner des chiffres d'adresses Bitcoin actives, il y en a moins de 5-10 millions. Donc, à l'échelle de la planète, je pense qu'on est vraiment. Ouais, je veux pas paraître vraiment trop précurseur et dire 1%. Moi, d'après mes estimations, parce que, comme je disais, la blockchain, il y a le côté décentralisation et il y a surtout le côté public. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur la blockchain,
Vu que ce n'est pas centralisé, on peut voir tout ce qui se passe. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir beaucoup comment dire, de persuasion par rapport à la technologie blockchain. Quand on vous dit que c'est une monnaie qui sert à financer le terrorisme, d'une, c'est un faible part qui est bien moins conséquent que l'euro ou le dollar. Et deuxièmement, c'est très facile de traquer parce qu'on peut voir toutes les transactions. Donc, le fait qu'on puisse voir toutes ces transactions-là, c'est vraiment le fait que ça soit public. Et quand tu regardes le nombre d'adresses actives, allez, pour avoir vraiment la fourchette très haute de l'estimation, je dirais, il n'y a même pas 5% de la population mondiale qui est actuellement dans les crypto-monnaies. Ça fait déjà beaucoup de monde. C'est Bah, si ça a vocation à remplacer Internet. oui, mais là, par exemple, est-ce t'as ressenti vraiment une émulsion autour des crypto-monnaies il y a à peu près il y a combien de temps où ça a vraiment explosé Bah, c'est vu que malheureusement, comme je disais, moi je prends vraiment la compréhension, mais forcément ce qui intéresse en premier lieu, et c'est normal, et tout le monde passe par là, moi le premier, c'est les gains. Étant donné qu'on est sur un marché financier, et les marchés financiers, c'est cyclique, et encore plus celui des crypto-monnaies, eh bien, dès qu'on a des news, par exemple, moi je suis rentré en 2017, comme je disais, ça fait 4 ans, en 2017, quand le Bitcoin était à 20 000, allez, tout le monde rentre dedans, le Bitcoin va monter à 50 000, allez, on achète, on achète, on achète. Du coup, tu as l'impression que tout le monde est dans les crypto-monnaies. La plupart se font rincer, ils sortent du marché des crypto-monnaies et ils reviennent potentiellement dans ce cycle-là aux 100 000. Et ils vont revenir dans le 100 000. Ah, cette fois-ci, c'est parti. Donc, en fait, c'est vraiment, tu as des gens qui viennent, qui restent parce qu'ils tombent amoureux de la technologie, un peu comme moi. Et tu en as d'autres qui viennent là uniquement pour le profit. Et vu que malheureusement, ils ne font pas l'effort de se former et d'avoir une certaine intelligence financière, eh bien, ils se font plumer et puis ils quittent le marché. Malheureusement, c'est comme ça que marchent les marchés financiers. D'ailleurs, tu parlais de projet. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, un beau projet dans une pour une crypto-monnaie? Bah, du coup, ce qui fait vraiment un beau projet, tout du moins pour un petit peu transformer la question, je dirais qu'est-ce qui me pousse moi à investir dans un projet? C'est Ça. premièrement, est-ce que ce projet, c'est comme n'importe quel bon investissement, est-ce que ce projet solutionne vraiment une problématique? Est-ce qu'il crée le besoin ou est-ce qu'il solutionne une problématique? Et si la problématique, c'est une solution, est-ce que on a vraiment besoin de crypto-monnaie ou de la technologie blockchain pour ce problème-là? Si ces deux cases-là sont cochées, après, le plus important également, mais je me base d'abord à quelle est la vocation du projet, c'est est-ce que l'équipe est sérieuse pour délivrer ce qu'il propose? Parce que faire des projets full marketing et dire on va faire ci, on va conquérir le monde, on va faire le nouveau Facebook, on en a tous les jours dans les cryptos. Mais combien ont vraiment l'équipe pour délivrer ça, c'est autre chose. Et là, actuellement, il y a combien de cryptos qui répondent à ces critères, donc qui ont un projet sur le fond et qui peut arriver à terme? Difficile à estimer. Pourquoi? Parce que, y a plus de 10 000 crypto-monnaies référencées. Référencées, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu ma crypto-monnaie. J'ai fait ça pour me faire kiffer, pour la créer, mais elle n'est pas référencée. Donc, des gens comme moi qui ont créé leur crypto-monnaie, il y en a des tonnes. Donc, référencée, il y en a 10 000. Donc, c'est très difficile de faire une estimation, quoi. Et elle s'appelle comment? Wow, la petite Bah, moi, c'est ma petite nièce. dans mon petit inconscient, enfin, mon petit truc qui me fait kiffer, comme je disais, mes scénarios que je fantasme. J'avais toujours l'ambition de créer la Downtown Consulting. Du coup, ma monnaie, elle s'appelle le Downtown. Ouais, c'est pas mal, ça fait Okay. vraiment nom de monnaie. Super. Et là, en investissement en crypto, tu as investi dans combien de cryptos ou quels sont selon toi les meilleurs cryptos où investir? Donc, tu parles beaucoup d'Ethereum. Et par exemple, on peut aussi, voilà, il y a plusieurs questions, mais pourquoi par exemple l'Ethereum est peut-être amené à supplanter le Bitcoin ou vraiment quelle est la grosse différence entre les deux? Du coup, ça t'es vraiment dans les débats actuels des cryptos. Genre, On va débattre, c'est bien. c'est la théorie du flippening, ça s'appelle. Donc, est-ce que Ethereum va supplanter le Bitcoin? Pour donner un peu de contexte, en fait, comme je disais, chaque crypto porte un projet. Et après, c'est vraiment classé en famille de projets. Bitcoin, sa motivation vraiment par son créateur anonyme Satoshi Nakamoto, c'était dans un premier temps de repenser notre finance économique. Pour rappel, ça a été créé après 2008. Je pense que vous êtes assez éduqué pour savoir qu'est-ce qui s'était passé en 2008, la crise des subprimes et tout ça. Très, très intéressant d'aller étudier ça vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé et
Dans le film, le Big Short, ils accordaient des crédits à des chiens. On était limite à ce niveau-là. Il y avait tellement de... Bah, c'était tellement sûr, c'est l'immobilier. Je vais vous pointer un peu, mais c'était tellement ça le narratif. C'est l'immobilier, ça peut pas chuter, c'est sûr que tu avais des crédits dans tous les sens et après tu faisais tout et n'importe quoi. Donc, vas-y, Connaissais tu pas voulais dire quelque l'histoire, chose? je connaissais pas l'histoire, Bah ouais, cette en fait, histoire. tu as ça. Et après, du coup, tu avais ce qu'on appelait des... Comment dire, des crédits qui étaient toxiques, ça avait été mis, regroupé dans d'autres amas toxiques, et le but c'était, bah, nous on a un seau de merde, à qui va bien nous acheter notre merde? Donc du coup, ils déguisaient bien la merde, et puis les Européens ont acheté des seaux de merde, et puis c'est ce qui a fait qu'après, bah, il y avait trop d'exubérance dans le marché. Quand je disais que c'est cyclique, c'est souvent ça en fait, c'est que tu arrives dans une certaine euphorie, une certaine exubérance, et bah, tu prends des décisions qui sont plus du tout rationnelles, quoi. Et pour revenir, donc Bitcoin, c'est vraiment maintenant, sa vraie vocation, c'est d'être réserve de valeur. On voit bien que lorsque les gouvernements impriment des milliers d'euros, le but, ce n'est pas de faire de la politique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Socialement, bien sûr, c'est très bien. Après, les conséquences qu'on va avoir, bah, on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais d'avoir imprimé 1 000 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe depuis le Covid. Je pense qu'avoir une monnaie qui a une supply, donc une quantité définie et qu'on ne peut pas altérer, je pense que c'est intelligent de se positionner dessus dans le monde qui nous attend. Ça, c'est sur le Bitcoin. Et deuxième truc, par exemple, Ethereum que tu parlais. Ethereum, le but, c'est vraiment ce concept. Donc, quand je disais la mise à jour d'Internet, c'est de créer des applications décentralisées. D'accord. Si, ce que j'aime bien dire pour expliquer Ethereum, c'est que si, par exemple, tiens, je vais te mettre un petit peu en porte-à-faux, si tu devais expliquer Airbnb à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais d'Airbnb? Je dirais que c'est une plateforme de réservation qui met en relation bah, loueur de logement et quelqu'un qui a besoin d'un logement. C'est ça. Et en fait, on a besoin de cette troisième personne entre les deux particuliers pour créer ce qu'on appelle un tiers de confiance. Parce que si jamais on ne te donne pas l'argent ou si jamais il y a de la dégradation ou que le bien il n'est pas disponible, bah, Airbnb est là pour gérer la situation. Et bah, grâce à la technologie blockchain et le pouvoir du code informatique, ça ne sert à rien que je rentre dans les détails, eh bien, ce système de confiance, il est recréé algorithmiquement. Tu n'as pas besoin de troisième personne. Donc, on peut faire une transaction tous les deux. Et c'est vraiment ça ce que Ethereum cherche à recréer. Tout ce qui existe actuellement, que ce soit les banques, que ce soit les applications, que ce soit plein de trucs, de recréer sans cet intermédiaire-là. Mais l'intermédiaire, ça peut être aussi la plateforme. Par exemple, une plateforme que tu utilises, on est obligé de passer par cette plateforme pour avoir accès directement à ces cryptos. Alors, par exemple, je sais pas, peut-être que tu penses à Binance. Binance, qui est le plus gros échange et le plus sécurisé, si vous voulez y aller, c'est le plus sécurisé actuellement en termes de plateforme. Bien sûr, ceci n'est pas des conseils en investissement. On ne va pas se risquer ça chez vous, monsieur. En fait, eux, ils vendent des crypto-monnaies, mais ils ne sont pas dans la philosophie crypto-monnaie, parce que c'est une plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Par contre, donc c'est ce qu'on appelle une plateforme centralisée. Par contre, tu as des plateformes décentralisées où en fait, il va y avoir des frais qui sont prélevés, mais ces frais sont redistribués entre le détenteur de la monnaie. Et pour parler de plateforme, donc selon toi, une des plateformes les plus sécurisées, c'est Binance. Il y a d'autres avantages au-delà de la sécurité avec cette plateforme? Ouais, le fait que ça soit pas cher. Parce qu'en fait, actuellement, on est vraiment au tout début de la technologie. Moi, quand je me suis lancé en 2017, je me suis dit, bon, je suis en retard dans les cryptos, mais je vais y aller. Au final, 2021, vu le nombre de gens qui rentraient dans les cryptos, je ne suis vraiment pas en retard. Et ceux qui rentrent même encore aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, sachez que vous n'êtes vraiment pas en retard. Actuellement, la technologie, elle est vraiment naissante. Et en fait, on est dans un trilemme. Sans rentrer dans les détails, pour ça, si tu veux être 100% décentralisé, le problème, c'est que ce n'est pas scalable. Donc, le côté scalable, pour expliquer rapidement, c'est que tu serves une personne ou 100 000 personnes, c'est le même effort et le même coût. Si tu veux vraiment rentrer dans du 100% décentralisé, c'est trop cher actuellement. Donc, tu as besoin toujours de cette solution intermédiaire où tu mets en relation deux individus parce que la technologie n'est pas encore assez évoluée actuellement. D'immobilier tout à l'heure, je suis allé atteindre un petit club d'investissement immobilier. Est-ce qu'il existe des cryptos qui sont liés à l'immobilier actuellement? Alors, des cryptos
lié à l'immobilier, de ce que je connais actuellement, c'est très mal fait. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'idée, qui voient le potentiel des crypto-monnaies. Concrètement, je dirais de rendre l'investissement immobilier liquide. C'est ça vraiment, je pense, la plus-value pour vous en tant qu'investisseur. Comme j'aime bien vous charrier, moi, mes actifs, je fais ça et c'est vendu, quoi. Donc, j'aime bien vous charrier avec ça. Mais il y a certains projets, j'en parlerai forcément, j'en profitais de l'opportunité de parler du mien par la suite. Mais vraiment, des projets qui mettent une crypto-monnaie entre eux, je trouve que c'est mal fait et ça rajoute énormément de complexité à l'opération parce qu'il faut faire la moyenne de tous les biens, de gérer. Enfin, c'est vraiment administrativement et même dans l'ident elle-même très compliqué. Excusez-moi, 2 petites secondes, je gère juste 2 petites secondes ma fille. Excusez-moi. Un petit montage, t'inquiète. Ok, c'est bon. Et du coup, ouais, je comprends tout à fait ta réponse. Et on va continuer sur le même type de question. Pourquoi, pour toi, c'est plus intéressant d'investir dans les cryptos que dans l'immobilier? Moi, à mon échelle, mais ça regarde que moi, déjà, je ne suis pas pour utiliser le levier bancaire. Donc, déjà, c'est ce qui a fait que j'ai cherché d'autres sources d'investissement. Pour moi, les maux de notre société viennent principalement du système du crédit. Et bon, on a dit on faisait pas de politique, donc on va pas passer sur ça. Mais donc, déjà, moi, c'était vraiment cette problématique-là. Ensuite, je sais pas, moi, ça m'intéresse tellement à notre échelle, et aussi ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est même si on met que 100 € dans un projet, à notre échelle, on soutient le projet. Et donc, c'est vraiment cette vision-là de construire le futur qui me passionne. Et après, aussi, ce que je dirais, c'est que ça dépend de votre profil. Peut-être que quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans ou plus, bah, les crypto-monnaies, c'est faut y aller vraiment avec des stratégies et avec surtout un profil de risque faible. Moi qui étais jeune quand je me suis lancé, j'avais 24 ans, eh bien, bah, c'est pas grave, même si je crame mon capital, je me referai par la suite. Donc, c'est par rapport à ma situation. Après, pour quand même donner une réponse de plutôt pourquoi vous devez vous diversifier, c'est parce que si vous êtes vraiment convaincu comme moi du potentiel futur de la technologie blockchain, c'est comme si aujourd'hui vous avez la chance d'investir. Enfin, pour moi, l'état de la technologie blockchain, c'est le Minitel. Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous placer dans les futurs Amazon, Google, Facebook, de la blockchain, quoi. Oui. Donc, il y a un fort potentiel. Et en termes de potentiel, voilà, quand tu investis soit dans des grosses, soit dans des projets plus prometteurs, c'est quoi pour toi un bon investissement dans les cryptos? Donc, en gros, ce que je veux dire par là, voilà, tu investis, je sais pas, 1 100 euros, voire 1 million. C'est à partir de combien tu te dis que le cours a augmenté? Tu dis, voilà, je peux vendre. Et jusqu'à combien, toi, on va dire, ta plus grosse opération? Voilà, c'est monté jusqu'à combien, t'as fait fois combien? Encore une fois, tout dépend vraiment. Quand on me pose ces questions-là, je réponds jamais parce qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire. Pour quand même donner des éléments de réponse, si c'est dans un truc, c'est souvent le narratif, c'est de dire les cryptos, c'est trop risqué, j'y vais pas. Bah non, j'y vais, mais avec une stratégie risquée. Et c'est pareil, quand moi je me positionne sur des projets à petite capitalisation, donc c'est-à-dire ils n'ont rien démontré, ils n'ont que des promesses, bah j'y vais avec un capital moindre que quand j'investis dans Bitcoin ou Ethereum. Et excuse-moi, c'est quoi que tu m'avais dit? Tu veux redire, c'est vrai? Et quoi, en gros, jusqu'à combien on va en dire, t'as pu Ah faire ouais, une mon belle plus gros opération? gain? Ouais. Ouais, exactement. Ok. Mon plus gros, vraiment mon plus gros gain, c'était en 2017 parce qu'on était vraiment dans la partie euphorique du marché hardcore qu'on n'a pas encore reconnu depuis 2017. Et j'ai fait en 4 mois, j'avais fait, ouais, ça, après 4 mois, 6 000%. Donc, ouais, mais c'était vraiment la Ouais, bien partie sûr. euphorie où tout le monde voulait rentrer dans les cryptos, quoi. Et c'était quand tu as commencé, tu as investi combien en 2017? Moi, au tout début, à l'époque, en 2017, je pensais que c'était une arnaque. J'ai été très longtemps à convaincre. Moi, j'ai entendu parler du Bitcoin déjà avant, mais vraiment quand j'ai commencé à m'y mettre, c'était en janvier. Le Bitcoin, il était à 2017, le Bitcoin, il était à 600 dollars.
Si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est ne perdez pas autant de temps que moi j'ai perdu. C'est-à-dire que quand j'ai découvert en janvier, je me suis dit, OK, c'est très bien, mais comment les banques et les gouvernements vont laisser faire? Parce que c'est trop disruptif. Et c'est, on en revient à l'histoire de la boîte de Pandore. On ne peut pas l'arrêter, la technologie blockchain, elle est comme ça, on ne peut rien faire en fait. C'est ça la beauté du truc. Et du coup, bah, j'ai acheté mes premiers bitcoins à 4000 dollars. Donc de 600 à 4000 dollars, j'ai le fait que mon cerveau, il accepte la vérité ou que je retire tous mes biais que je m'étais créé, ça m'a pris 6 mois. Et au début, j'ai commencé avec 10 euros. Dans l'étude de cas, tu m'avais dit en préambule que je reviendrai par la suite, donc on vous la mettra à disposition. Mais je montre que j'avais investi 20 euros en 2017 et ces 20 euros valent 5000 euros aujourd'hui, quoi. Donc, après, en 2017, je suis rentré avec 10 000 euros. Je suis monté à 30 000 euros en 6 mois. Et en 2018, je me suis dit, bon, bah, ça y est, je sais ce que je dois faire dans ma vie, c'est le trading. Je suis vraiment trop fort. Je viens de faire 10 000 euros, 30 000 euros en 6 mois. Et en 2018, bah, je me suis tapé un marché baissier parce que je ne connaissais pas tous ces cycles-là. Et de 30 000 euros, je passe à 5 000 euros. Du coup, je me suis dit, bon, bah, au final, je ne suis pas si bon que ça. Je vais retourner au salariat. Hein. Mais après, à partir du moment où tu ne vends pas, tu perds pas. C'est vrai. Mais tout dépend, encore une fois, ton profil d'investisseur. Si tu es dans l'ultra long terme, pour vous donner un truc, vous allez la trouver en 2 minutes sur Internet, et ce n'est pas moi qui l'apprends, cette stratégie, c'est Warren Buffett, il nous l'a tous enseigné. C'est le DCA, Dollar Cost Average. Donc, tu vas mettre un capital, tu vas dire, et je vous recommande vraiment à faire ça, peu importe votre moyen, ce n'est pas dépenser en investissement, de faire, même si c'est 10 euros, 100 euros par mois. Sur le long terme, c'est les intérêts composés, c'est tellement puissant que ça peut que marcher. Donc, si tu as cette stratégie-là, d'accord. Moi, mon approche que je fais et que j'enseigne, c'est d'avoir une approche un peu plus active. C'est-à-dire que là, en l'état, le Bitcoin, il est passé l'année dernière de mars à mars 2020 à mars 2021 de 4 000 à 65 000. Nous, on a, avec les membres de ma communauté, on a sécurisé. C'est très difficile d'acheter tout en bas et de revendre au top. Donc, on a sécurisé à 55 000. On a pu se repositionner à 30 000. Et ça, des 65 000 aux 30 000, ça a pris 3-4 mois pour le réaliser. Donc, nous, ce qu'on joue, c'est pas du trading toute la journée à fond devant nos écrans, même si moi, je le fais parce que ça me fait kiffer. Mais les personnes que j'accompagne, ils n'ont pas spécialement ce temps-là. Donc, c'est jouer les gros mouvements. Donc, OK, pas vendu, pas perdu. Mais il y a plus intelligent. Si tu peux optimiser les gros mouvements, autant le faire en fait. Et ça te prend combien de temps pour tes élèves? Parce que toi, tu adores ça, les études de marché. C'est Je dis ça. que c'est hyper intéressant, je comprends tout à fait. Mais pour ceux qui ont un petit peu moins de temps, pour les rassurer d'une certaine manière, ça prend combien de temps à quelqu'un qui veut faire qui veut suivre la lancée quand ça baisse ou quand ça monte, en termes d'heures par mois ou par semaine? Yes. Au niveau, pour répondre à ta question, la charge, le volume de travail à fournir, il est en amont pour pouvoir vite monter en compétence et que tu puisses te naviguer. Mais une fois que tu as fait cette charge de travail, ça dépend d'où tu pars, mais vous êtes des investisseurs crypto, immobiliers, donc vous avez déjà le mindset investissement. Vous avez quoi? La technologie, les marchés financiers. En tant qu'investisseur pur, c'est quoi? C'est aller entre 10 et 30 heures vraiment au tout début pour pouvoir monter en compétence. Une fois que tu as ça, ben, du coup, nous, en tant qu'investisseurs, on regarde nos graphiques en unité de temps daily, donc c'est-à-dire en un jour ou en hebdomadaire. Donc, ce que tu regardes, ça veut dire que le mouvement que tu estimes, maintenant que tu es formé à analyser les graphiques, c'est que tu estimes qu'il va se faire soit en des jours, soit en des semaines. Donc, une fois que tu as défini ton scénario, tu sais que ça va prendre des jours ou des semaines, tu n'as pas besoin d'être là toutes les heures à regarder. Tu peux mettre des alertes Ouais, aussi bien comme sûr. à la bourse. Okay. Tu peux mettre des alertes et des ordres automatiques. Ah oui, ordre automatique, ok. Ça, c'est avec la plateforme Binance ou ça existe avec d'autres plateformes? Binance et d'autres aussi, ouais. Ouais, non, c'est top. Mais c'est bien ce que tu. Donc, ce n'est pas des conseils, mais pour dire qu'au final, on n'est pas obligé de mettre 1 000 à 10 000 euros par mois, qu'on peut commencer avec 10, 100 euros pour se former. Et après, en fait, pour se former, il faut apprendre quoi pour avoir, on va dire, un niveau intermédiaire pour investir dans les cryptos. Si tu Moi, peux me dire un petit peu ce que tu proposes. ce que j'aime bien dire pour les investisseurs, c'est que tu as vraiment deux pans à apprendre. Bon, tu en as trois, mais simplifions vraiment deux. C'est, tu as la partie analyse fondamentale.
Donc, comprendre tout ce que je vibre, la technologie blockchain, tout ce qui est vraiment en quoi c'est innovant, en quoi c'est disruptif, en quoi tout ça, est-ce que ça vous parle ou pas? Peut-être que bien souvent pour les investisseurs immo, c'est pas palpable, c'est nul. Peut-être pousser plus loin et justement trouver ça intéressant et tout ça. Donc, ça, c'est le premier pan. Une fois que tu as validé la technologie, tu as l'étude de graphique. Donc, vraiment savoir. Et du coup, ce que j'aime bien dire, ça s'appelle l'analyse technique. C'est l'analyse fondamentale te dit quoi acheter. Donc, tu étudies le projet. Est-ce qu'il est intéressant? Oui, j'y vais. L'analyse technique te dit comment l'acheter. Ah, ben non, là, le Bitcoin, il est à 65 000. L'année dernière, il était à 4 000. C'est peut-être pas pertinent de rentrer tout de suite. J'attends un petit peu, quoi. Donc, c'est vraiment ces deux grands pans-là. Et le troisième, c'est que je passe à l'action. Ouais, le troisième, je passe à l'action et donc tu apprends à utiliser les plateformes, mais c'est relativement simple. D'accord, super. Et là, quels sont les derniers projets, donc les cryptos, qui ont un projet porteur, qui t'es passionné par leur projet, qui se disent, ah non, mais il faut absolument que je mise dessus. Bah, absolument que je mise dessus. Franchement, Ethereum, hein, pour moi, il est vraiment sous-évalué. Hein. Franchement, faut pas oublier que ce qui définit le prix de toute chose, c'est l'offre et la demande. Que ça soit une maison, que ça soit du blé, une baguette, et on l'oublie trop souvent en fait. C'est tellement dans l'inconscient collectif les prix qu'on oublie que ce qui régit ça, c'est l'offre et la demande. Et les crypto-monnaies, forcément, c'est un actif, donc c'est la même chose. Au vu du potentiel et au vu de l'effet de rareté qui est mis dans Ethereum, je pense que vraiment sur le long terme, Ethereum, c'est surtout qu'il y a un concept dans l'investissement, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à un truc qui s'appelle too big to fail. C'est-à-dire que c'est tellement gros qu'il y a tellement d'argent impliqué dedans que les gens, ils n'ont pas intérêt à faire en sorte que ça chute. Donc, ils vont tout faire pour maintenir le truc. Et pour moi, Ethereum, Bitcoin et d'autres, hein, on est vraiment atteint ce niveau-là. Bon, là, il y a Solana qui a énormément monté, mais Solana, c'est un peu le dauphin, le concurrent d'Ethereum. Ça peut être pas mal sur le long terme aussi. Okay. Ouais, c'est bien de jouer avec les deux concurrents, d'avoir plusieurs œufs dans les mêmes, bah, Après, dans bien le même sûr, il y panier. en a plein, mais je dis Oui, des même choses les. relativement sûres sur le long terme, quoi. Ok, super. Bah, merci pour toutes ces réponses. Est-ce que tu aurais une pépite à donner aux personnes qui vont regarder la vidéo pour soit les pousser à investir, soit plutôt les rassurer, on va dire plutôt les rassurer sur l'investissement dans les cryptos? Moi, ce que j'aime bien enseigner, c'est toujours de parler en termes de pourcentage. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, l'investissement dans les cryptos, ça vous fait peur. Mais si on rationalise ça et qu'on se dit, on alloue seulement 10% de votre capital dans les cryptos, est-ce que ça fait vraiment si peur que ça de perdre 10% de votre capital? Donc, intéressez-vous à la technologie. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit et que vous trouvez cette technologie vraiment intéressante, bah, pourquoi ne pas prendre le risque de risquer 10% de votre capital dans quelque chose qui est peut-être le prochain Amazon, Google de demain, quoi? Et avec les personnes que tu accompagnes, tu formes, est-ce que vous faites des réunions, par exemple des masterclass, des Zooms, pour se dire, voilà, j'ai analysé cette crypto, elle est intéressante, il y a possibilité de vous positionner ou pas. Est-ce que c'est des choses que tu fais? Yes, bah, du coup, j'en profite pour faire ma pub, c'est le moment. Donc, en fait, moi, j'ai deux offres. J'ai la partie formation et la partie coaching. Donc, formation, on retrouve tout ce que j'ai dit et tout ce que je prône. Le but, ce n'est pas de faire du bullshit. Donc, il y a vraiment les trois axes. Analyse fondamentale, comprendre la technologie. Analyse technique, comment y rentrer. Et partie pratique, comment mettre ça en pratique, quoi. Ça, c'est des vidéos déjà enregistrées. Après, ce que je pense, c'est que c'est une réalité maintenant que j'ai du capital et j'ai acheté moi-même des accompagnements pour m'aider sur mon business ou dans d'autres choses. Je pense que la partie coaching, c'est quand même plus stimulant. Et le fait d'avoir quelqu'un, il y a le phénomène d'aspiration. Enfin, moi, je suis tellement passionné que du coup, ça se déverse forcément sur les gens avec qui je passe du temps. Et comme toi, je suppose, hein, je pense que c'est pour ça que tu as vraiment cette connexion dans ta communauté. Effectivement, dans ce projet-là, ce n'est pas juste une partie éducation, c'est que moi, concrètement, on vend notre temps. Donc, tout le temps que je passe sur le marché, je suggère lors des coachings collectifs une crypto-pépite, un projet à fort potentiel
que je pense qu'il peut performer. Après, le but, comme vous l'avez compris, c'est pas de, je suis pas un gourou des cryptos, quoi. Moi, je dis, voilà pourquoi il est intéressant pour telle et telle raison. Quand on regarde sur le graphique, je pense qu'il peut aller là-bas pour telle et telle raison. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Merci pour tes réponses. On va finir sur un projet. Voilà. Quels sont tes projets futurs ou même Yes. actuels? Je pense que tu as plein de projets sur le feu. Yes, bah concrètement là, c'est moi ça me fait ça me plaît, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur. Ça fait 4 ans que je suis dans les cryptos et quand j'ai découvert la technologie, je me suis dit, mais attends, mais on peut utiliser la technologie comme ça et c'est vraiment trop trop puissant. Donc ça fait 3 ans que je le fantasme pour redire ce mot dans tous les sens ce projet-là et j'ai eu la chance grâce à bah déjà plus de capital et également le réseau que je me suis ouvert en devenant une micro personne publique. Le projet c'est GeneFlow, donc GeneFlow, la nouvelle ère du cash flow. Ce qu'on souhaite faire c'est simplifier l'investissement dans l'immobilier, donc simplifier dans 2 aspects. Le premier c'est financier, c'est-à-dire que nous notre promesse c'est de pouvoir acheter des parts d'une maison pour des 50 dollars, quoi. Ça, c'est notre promesse. Et je reviendrai, j'expliquerai plus en détail. Le deuxième aspect, c'est qu'on veut rendre l'investissement immobilier aussi simple que d'acheter quelque chose sur Amazon. Donc, tu vas dans notre plateforme, tu regardes ce que tu veux acheter, les parts de maison que tu veux acheter, et de ces parts-là, tu les sélectionnes, tu les mets dans ton panier, tu achètes, tu reçois un document, tu le signes, tu nous le renvoies, ça y est, tu es propriétaire d'un bien immobilier. Ah, ça me plaît ça. Ça, il fallait le dire plus tôt. Donc en gros, ok, je vois, super. Mais en fait, tu caches bien ton jeu. C'est que ouais, tu vas plus loin. Au-delà du côté, voilà, tu as appris, tu as analysé des bons projets. Et tu dis, ben, c'est bien les autres, ils font des super projets. Mais moi aussi, je peux faire des bons projets. Tu as analysé ben, ce qu'il y avait sur l'immobilier, ça ne correspondait pas forcément à tes attentes ou même aux attentes du public pour créer quelque chose ben, qui. Te correspond, qui peut correspondre aussi à des investisseurs immobiliers. Et du coup, comment on peut, la plateforme est déjà active, c'est en cours, comment on Là, en peut l'état participer au projet? au 31 août, début septembre, elle n'est pas encore active. Mais sur GeneFlow.com, J-I-N, de toute façon, tu mettras les liens, Ouais, hein, je pas le besoin mettrai de. bien sûr. Hein. Ouais, ça sera disponible à partir d'octobre. Donc, Ouais, c'est ouais, top. d'ici le temps que vous voyez la vidéo, ça sera prêt, quoi. Et du coup, on pourrait investir comment sur GeneFlow? C'est à partir de Bitcoin plutôt, d'Ethereum. Donc, je pense que tu l'as compris, mais juste pour préciser, si jamais il y a des zones doutes, en fait, c'est au lieu que vous achetez 100 000 balles dans un bien en entier et que vous le mettez en gestion locative et que vous récupérez, nous, on est sur le marché américain, donc c'est peut-être ça qui peut être intéressant. Donc, nous, notre promesse également, enfin, ce n'est pas une promesse, c'est les estimations, parce que vous le savez mieux que moi, vous êtes dans l'immobilier, au niveau des loyers, on ne sait pas. Hein. Donc, notre estimation, c'est entre 11 et 13% à l'année. Au lieu que vous dépensez 100 000 pour avoir ceci, eh bien, vous pouvez, et typiquement pour des gens qui ont déjà des biens, c'est un petit peu notre cible, excusez-moi de dire ça comme ça, mais des gens qui ont déjà plusieurs d'immobilier, ils n'ont peut-être pas, la banque ne leur accorde peut-être pas de fonds pour refaire un autre bien, mais potentiellement mettre 5 000, 10 000 dans un projet comme ça et d'avoir cette rentabilité-là annuelle de 11 et 13%, ça peut être intéressant. Et également, notre petit plus-value, et c'est ce que tu voulais que j'en parle également, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de toucher le loyer tous les mois, on vous verse le prorata de ce loyer toutes les semaines. Et vous pouvez donc rendre votre investissement liquide et le réinvestir également sur notre plateforme. Bien sûr, on est allé jusqu'au bout, Bien c'est sûr. que Et du coup, vous pouvez. c'est réinvesti en crypto. C'est. En fait, nous, on propose les deux parce que si vous voulez. C'est très difficile dans le monde de créer quelque chose qui n'existe déjà pas. Hein. Il y a tout qui existe. Donc, nos concurrents, ils ont fait par défaut le fait d'être directement versé en crypto-monnaie. Nous, on offre le choix à la personne. Si elle n'est pas trop familière avec les crypto-monnaies, on ne lui verse pas les crypto-monnaies, mais on réinvestit directement pour elle dans notre plateforme. Et pour répondre à ta question, ce que tu demandais, est-ce que c'est en Bitcoin ou en Ethereum, on permet les deux. Donc, soit en crypto-monnaie, soit en euros ou en dollars. Et on peut investir à partir de combien sur ce projet? Comme je disais, notre promesse, c'est des 50 dollars. Ok. Non, c'est top. Mais après, Parfait. pour potentiellement
les personnes de ton club, je pense que 1 000, 5 000, 10 000, c'est bien. Enfin, c'est dans le sens où c'est le plus dur, et on en a bien conscience, c'est le capital confiance qu'on va créer en fait. Pour pas que, surtout pour certains investisseurs IMO, ils disent 11, 13%, je pense que c'est quand même assez. Je connais pas énormément l'IMO, c'est plutôt mes Si, c'est associés. très bien. Ouais, c'est très bien. Donc, mes associés, ça fait 7 ans qu'ils font de l'immobilier sur le marché américain. Je pense que faut pas qu'on. Le plus dur, ça va être démystifier est-ce qu'on est un Ponzi ou pas. C'est vraiment ça le plus dur que ça va être. Bien sûr. Et si on arrive à créer cette confiance-là et qu'on fait comprendre aux gens que non, on n'est pas un vrai Ponzi, mais qu'on utilise la technologie blockchain, Mais ça a une utilité ça. en fait. Par exemple, voilà, on peut faire nos études, on sait pas, on peut pas toucher vraiment le projet concret. Là, on a un intermédiaire, donc toi et tes partenaires. On sait que voilà, on utilise l'outil, ce sera sur une, ce sera une crypto que vous allez aussi mettre en place. Non, c'est vraiment Non, le, non, c'est, en gros, c'est la plateforme. C'est une plateforme directement qui utilise les cryptos actuels pour vraiment l'utilisation pour acheter un bien. en fait, comme je disais tout à l'heure, je trouve que ceux qui ont mis des crypto-monnaies dans leur projet, ils font mal. En fait, ça complexifie trop. Et en plus, pour l'onboarding des gens qui ne sont pas trop crypto-friendly, ils arrivent et ils se disent, mais c'est quoi tout ça en fait? Je dois acheter une crypto qui fait le prorata de tous les biens de la société, c'est trop compliqué. Nous, c'est vraiment simplifié. Donc, vous venez, vous pouvez payer en crypto, en euro-dollar. On verse vos loyers par semaine en crypto stable ou en euros que vous pouvez réinvestir. Et il n'y a pas de crypto-monnaie. On utilise la technologie blockchain, ce qui nous permet de créer des titres de propriété digitale. Mais il n'y a pas de crypto-monnaie spéculative associée au projet. Mais c'est ce qui va se faire au final. En fait, vous vous prenez un petit peu d'avance par rapport à l'utilisation des cryptos pour acheter directement des biens immobiliers. Donc c'est ce que vous êtes en. Vous êtes des précurseurs. Donc, ça. Ouais, j'aimerais bien, tout du Non, moins. mais de toute façon, c'est un beau projet. En plus, ça lie à l'immobilier. Et comme quoi, au final, les cryptos et l'immobilier, ça peut, c'est un intérêt commun. Et l'avenir, c'est ce que tu es en train de faire, c'est que voilà, il y a dans peut-être 5 ans ou 10 ans, voilà, la plupart des transactions pourra se faire en crypto pour acheter des biens immobiliers. Donc là, ça fera Ouais. une autre source de rentabilité parce que tu achètes en crypto, tu récupères de la crypto, ça monte. Donc tu prends la plus-value du bien immobilier, donc sa valeur classique, plus de la crypto, c'est pas mal. Je comprends le Ouais, concept. et pour ceux qui sont peut-être déjà un peu éduqués au niveau des cryptos, c'est Ethereum, donc derrière, il y a des smart contracts. La vocation ultime de Ethereum, c'est de s'enlever du notariat. Il n'y aura plus besoin de notaire. En fait, n'essayez peut-être pas de comprendre si vous n'avez pas encore ce niveau de connaissance-là, mais en fait, un notaire va créer un smart contract, donc c'est ce qu'on appelle un contrat intelligent, et n'importe qui va vouloir vendre sa maison, il va aller chercher ce smart contract et il pourra l'utiliser pour sa vente sans passer par un Pas notaire, et notaire. le titre de Ok. propriété va se transférer digitalement. Et ça, il n'y a pas de crypto-monnaie, mais par contre, il y a bien la technologie blockchain. D'accord, ouais, je comprends. C'est top. Donc, merci C'est le pour futur. ton. Ouais, c'est. T'es en train de créer le futur. Donc, c'est bien. Donc, un futur dans l'immobilier, dans les cryptos. Donc, merci pour toutes ces informations. Moi, ce que je mettrai en bas, si vous voulez en savoir plus, parce que les interviews, c'est bien, mais les études de cas, c'est encore mieux. Donc, ça sera dans le lien dans la description. Donc, tu as aussi des réseaux sociaux, donc Instagram que tu développes beaucoup. On peut avoir ton petit nom. Bah, quand t'arriveras, c'est le même. Super. Ça sera aussi en bas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, si vous voulez taper crypto sur Instagram pour me faire remonter dans l'algorithme en cliquant dans mon profil, c'est avec plaisir, hein. Je pense ça Super. avec plaisir. Je pense qu'ils le feront. Donc, je mettrai aussi ton lien Calendly pour ceux qui veulent Yes. avoir un coaching directement avec Quentin. En tout cas, j'espère que l'interview vous a bien plu. Moi, j'ai appris quelque chose. C'est vrai que ton projet m'intéresse beaucoup, donc on va en rediscuter et on donnera toutes les informations dans les liens en commentaire. Merci, Quentin.